suis dans plein de miniatures de gros youtubeurs, mais tu l'as jamais vu. Et c'est normal, j'ai jamais été là. Mais on va essayer de le faire ensemble. Aujourd'hui, je vais m'introduire dans les miniatures des youtubeurs et je vais leur demander s'ils sont chauds de les remplacer par leur ancienne, donc celle où j'y suis. Je vais essayer d'être le plus créatif possible, je vais aussi essayer d'être drôle, mais surtout, paniquer leur miniature, ça serait con. Je vais me remplacer le plus discret possible en petit parce que je vais pas prendre toute la mini. Et je tiens à préciser que j'ai vu le concept sur la chaîne YouTube de Jack, un américain, et je me suis dit, il faut absolument que je le teste avec les youtubeurs en France. En premier, on va aller voir la chaîne de Sora. Ok, première étape, faut que je trouve là où je vais pouvoir me remplacer. Par exemple, celle-ci, c'est mort, cette miniature. Parce que là, il y a que Sora et Fast Good Cuisine. Je vais pas remplacer ma tête par Fast Good Cuisine. Ok, je pense qu'on va prendre elle, parce qu'elle est assez récente. Et je vais me caler à la place du gars, là, qui se tient ses mains comme ça. Ok, on va aller sur Photoshop. J'utilise pas souvent, mais là, du coup, j'en ai l'occasion. Ok, donc là, sur la miniature, je dois être comme ça. Ok, donc là, je me mets comme ça. Oh, le rotateur, il était bas de long. Ok, donc là, on a assez de photos. Je pense que les gars, ça passe bien. Là, je vais sélectionner ça. En fait, c'est trop drôle parce que là, je suis vraiment en train de faire une vidéo où je vous montre Photoshop. Déjà, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner. Ok, donc en gros, ça serait comme ça. Ok, voilà. Waouh, ça fait peut-être un peu bizarre. Ne jamais devenir mini-maker. Ça, c'est un truc que je vais jamais pouvoir faire. Ça fait un peu bizarre quand même, là, non? Les gars, je vais m'asseoir, ça devient compliqué là. Là, ça devient du vrai travail là. Bon, alors, comment je peux essayer d'améliorer ça? Peut-être on peut se faire sauver par l'IA. Est-ce qu'il peut me faire un miracle ou pas? Hop, vas-y, génère. Génère-moi un truc là. Il va m'aider, j'espère que l'IA va pouvoir m'aider là, les gars. J'avoue que là, tu m'aides pas de fou. Sinon, je viens de penser à un truc, les gars. C'est à la rigueur, c'est si je retire lui intégralement. Ok, parfait, il me l'a retiré. Donc, ça veut dire que là, je vais pouvoir m'intégrer plus facilement ici, là. Et là, si je me mets entre les deux, c'est déjà un peu mieux. Je me coupe un peu les cheveux. Je suis artiste ou quoi, lol? Lui, il avait un sweat en rouge. Je vais essayer de demander à l'IA. Je sais pas s'il va réussir, les gars. S'il y arrive, c'est banger. Là, on est sauvé, on est bien, là. Oh, les gars, il a réussi. Bon, en vrai, ce rouge-là, on peut pas avoir mieux, les gars. En vrai, c'est pas mal. Et même là, le fait qu'il y ait du noir et tout, c'est pas mal. En fait, je me fais chier pour paniquer leur miniature. Parce que je me dis, ça fait tellement chier d'avoir une belle miniature. Genre, si quelqu'un te la nique. C'est pas mal comme ça. Là, franchement, je rentre trop bien dans la miniature. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Ok, je l'enregistre. Et là, maintenant, je vais proposer à Sora. Je vais lui dire, écoute, frérot, est-ce que t'es chaud de la mettre ou pas? S'il la met, c'est une dinguerie. Mastu, on va essayer de voir, du coup, pareil, faut qu'il y ait du monde. Là, il y a personne. Faut trouver un moment où on peut s'introduire. Bah, les gars, j'ai trouvé celle-ci. IA ou pas IA. Là, je peux me mettre à la place des gardes du corps du gars au milieu, là, avec la doudoune blanche. Ok, donc là, faudrait que je m'introduise. Peut-être là, vu qu'il a une casquette et tout. Ici, ça peut être bien sympa. Ok, donc là, il me faut une photo de face. Là, j'ai plein de photos de moi avec des réactions, justement, pour mon mini maker. Donc là, c'est parfait, je vais pouvoir m'en servir. On va prendre ça, les gars. Putain, je sais pas du tout comment je vais l'introduire, par contre, hein. Les gars, ça me fume la gueule. J'ai l'impression de faire une vidéo tuto. Mais vraiment, j'aime bien. En vrai, c'est super drôle, putain, on me reconnaît pas de fou, hein. Et en vrai, les gars, j'ai trop peur de leur envoyer qu'ils me disent, mais c'est nul ce que t'as fait. Là, les gars, ça change rien à la mini. Là, il peut pas se dire, genre, ouais, non, la mini, elle est morte et tout, ça fait bizarre. Oh, non, on me reconnaît pas, en fait, je sais pas si vous allez cramer. Mais on me reconnaît pas assez. On va tester avec Tristan, le frérot. Alors, par contre, je sais que Tristan, il a pas beaucoup de miniatures où il y a des gens dessus. Il fait souvent des miniatures solo et tout. Le truc, c'est que lui, sur ses miniatures, c'est vraiment artistique. Il essaie de faire des affiches de films. Donc, j'ai pas forcément envie de tout niquer. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, le moi, je cherchais pas. Genre, je suis à côté dans la voiture ou dans le pilote. J'ai envie d'essayer de faire un truc drôle. Donc là, faut que je me fous à l'intérieur. Faut que je prenne une réaction de moi où j'ai un peu les gros yeux, genre. Bah, en vrai, celle-ci, elle est parfaite. Je reprends exactement la même, les gars. Là, ça m'a l'air pas mal. Là, ça m'a l'air pas mal, les gars. Alors, c'est très, très mal. Introduit. Voilà, vous voyez, à l'arrière, j'ai remis l'autre mec. Donc là, derrière, il y a la vraie Minia. Ah, on le voit très sombre, en fait. Il est très, très sombre. Donc, je vais mettre comme lui, en fait. Il faut que je me mette très, 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 très sombre. Voilà. Je vais la laisser limite comme ça. Celle-ci, les gars, c'est validé. Donc, je suis ici, là. S'ils les mettent vraiment, déjà, ça me fait trop rire parce que déjà, vous allez tous aller voir sur leur miniature pour voir si je suis vraiment dessus. Et ce qui me fait rire, c'est dès que je vais voir un pote, je vais dire, hey, tu savais que j'étais sur la miniature? Regarde là. Juste ici, ici. C'est hyper drôle. C'est où est Charlie, en fait? J'ai envie de tenter avec Joyka. Pareil, là, c'est du gros level aussi. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Celle-ci, là, elle me tente bien, là. Et là, il y a beaucoup de bonhommes, là. Ça gâcherait pas la miniature. Bon, déjà, je pense que je vais m'intégrer sur le plus proche parce que tous les autres, ils sont très flous. Moi, je pense que je vais essayer de m'intégrer sur lui. Donc, là, il me faut une tête vénère. Dangereux. Ah, mais là, je regarde pas sur le côté. Bon, en plus, je suis un peu sur le tech, là, hein, en vrai. Donc, ça va, ça va. Ok, celle-ci, on va se la prendre. Ok, je pense que celle-ci, les gars, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle va être beaucoup plus simple. Pour celle-ci, j'essaie de faire des trucs un peu plus simples, mais plus on va avancer, et plus je vais essayer de faire des trucs qui vont mettre dans le danger. Voilà, là, je pense que là, je suis parfait. Ok, là, je vais détourer tout ça. Bon, là, ça va être trop bien à détourer, putain, ça va être génial. Ok, tac, je supprime tout ça. Ça passe bien. Je suis mort de rire. Là, on voit un peu mes mèches blanches, donc c'est stylé. Ça rappelle vraiment que c'est Wham, genre. Ok, là, on est sur un truc bien. La miniature pour Joyka, du coup, où je suis caché juste là. J'espère que ça va passer.
Les gars, Scoot de Street, le frérot, lui il devrait accepter, parce que je connais bien, c'est le frérot maintenant. Mais sur quelle miniature je vais devoir prendre? J'ai trouvé les gars. Quel youtubeur frappe le plus fort? 6. Et là on va se mettre comme ça. La queue. Voilà, j'ai fait le mec vénère. J'ai vraiment une tête de con. Voilà, là c'est une vraie photo qui a de la gueule. Là. Et là j'ai envie de me battre. Ok, voilà, je suis au fond de la ligne. Et là je vais juste essayer d'améliorer. Je travaille sur un truc horrible. Ok, bon, ça devrait le faire. Bon, bah ok, la miniature pour Scoot de Street, du coup elle est terminée les gars, c'est celle-ci. Je trouve que pour l'instant c'est la moins bien de celle que j'ai fait, mais je trouve que ça va et passe. Je suis peut-être un peu trop clair. Ouais, je suis un peu trop clair, faut que je mette un peu plus sombre. Et voilà, du coup ça c'est la miniature pour Scoot de Street. Ça va, ça fait moins bizarre. En vrai, c'est pas choquant. Tu vois la miniature, tu te dis pas, wow, bizarre. Et tout. Les gars, Michou, on va regarder un peu ce qu'il y a. Ok, là celle-ci il y a du monde mais sans visage donc c'est mort. Celle-ci pareil. Oh non les gars, je viens de trouver l'idée, elle est parfaite. Mais elle est risquée de fou par contre. Hein. Vous voyez ce que je vois ou pas? Nouveau départ local, bébé argent. Il y a une poussette là-bas, il y a personne dedans. Et si moi j'étais dans la poussette comme ça? Je pense d'abord, je vais demander à l'IA de mettre un bébé dedans. Ça sera beaucoup plus simple. Ok, s'il te plaît, mets-moi un bon petit bébé dans cette poussette. Ne fais pas de la dinguerie. What the fuck? Frérot, c'est quoi ce bébé que tu nous as mis là? En vrai, de vrai, le bébé il est horrible. Mais on peut essayer de merde avec ça. En fait, le problème c'est comment il les a intégrés, c'est une catastrophe. En vrai, celui-là ça va. Mais je trouve qu'il met des gros bébés. Là, on a un bon petit truc là. Là, c'est pas mal là. Là, il est très stylé celui-là. Je vais prendre une photo de moi, comme ça. Ok. Nickel. Les gars, c'est officiel pour moi cette miniature. Si Michou accepte, c'est la plus drôle. Pareil, je vais baisser l'opacité pour mieux voir. Les gars, cette miniature, si j'arrive à bien la faire, ça va être trop drôle. Putain. Je suis méga cramé là. Non mais là ça passe pas, dans aucun monde ça passe. Dans aucun monde il se dit vas-y let's go, on le voit pas trop. Ok c'est pas grave, je vais me foutre un peu. En mode faut pas qu'on voit le bébé et tout. Ok les gars là c'est mieux déjà, ça a amélioré les petits contours. Donc là c'est déjà c'est un peu mieux. Maintenant je vais essayer de me mettre un peu plus de pixelisation. Ah c'est flagrant. Ah je sais pas, j'arrive pas là, je suis indécis. Ok je garde celle-ci qui est quand même très très gros. Bon pour celle pour Mich c'est terminé. Franchement je trouve que là c'est très gros. Ça serait hilarant que ça passe. Amixem les gars, Amixem j'ai envie de tester. On peut trouver des bonnes miniatures en plus. Par exemple là je pourrais me mettre derrière un colis perdu. Ou là encore une fois la place du bébé. Mais non ça serait trop, non, une fois pas deux. Celle-ci par exemple ça pourrait être marrant que je me mette en train de courir au fond là. Ok première étape, prendre une photo de moi en train de courir. J'en ai pas bien évidemment. Ok, j'ai ma photo. Voilà, ça ressemble à quoi moi en train de courir? De toute façon vu que je suis vu de loin, j'ai pas besoin de faire un détourage de la mort qui tue. Ah mais je vais devoir me mettre vraiment petit. Par exemple là. Les gars c'est super drôle. En fait j'arrive pas à savoir si je me fais juste rire tout seul, ça me fait trop rire de faire ça, je m'amuse. Ou si vraiment vous de l'extérieur en fait ça vous fait rire. Voilà, la miniature Tamixem. Les gars, pour finir, Squeezie, je vous l'avais dit, est-ce que je vais trouver une petite miniature où il y a du public, il y a des gens où je peux m'intégrer? Ok, là, faut pas que ce soit trop gros, faut que ce soit un truc très discret. Ok, c'est bon, j'ai la miniature. Le plus grand Où est Charlie du monde 2, je vais m'introduire parmi le public. Hein. Là, faut pas que je fasse trop de dingueries. En fait, là, c'est horrible, je viens de me rendre compte que je veux juste prendre la place de quelqu'un sur la miniature. Ok, je vais prendre à la place de lui, par exemple, ça peut être cool. C'est le mec qui a rien compris au concept. Il prend la place d'Inox alors que c'est un feat avec lui, quoi. Il veut juste voler le feat. Ok, je vais prendre la place de lui, je pense. Ok, faut que je sois content, et ben je dois avoir ça. On va prendre un truc déjà fait. Donc là, il est d'accord, il est heureux sur la minière. Ouais, il est content d'être là, il est content, il est content. Voilà, elle, elle est bien. J'ai une belle tête de con, ça marche, c'est parfait. Voilà, c'est bon, c'est fait. Est-ce que c'est vu là ou pas? Ah, des fois, je fais des blagues et tout, genre. Bon, en vrai, j'ai plus trop de cheveux. J'ai trop détouré, mais je trouve ça plus drôle. Donc, on va garder ça comme ça. Bon, là, on est d'accord que c'est ultra cramé. Mais, du coup, je vais me mettre dans l'ombre. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, je suis ici. Ça rend comme ça. Ça va, en vrai, non? Pas trop visible, hein? En vrai, ça va, je me suis bien caché. Moi, j'aime bien, en tout cas. Allez, je l'exporte. Et on l'envoie tout de suite à Squeezie. Bon les gars, c'est le moment de voir. Est-ce que les miniatures ont été changées? Ou j'ai aucune miniature changée? Et j'ai fait tout ça pour rien? Non. Sinon, la vidéo, elle serait pas sortie. En premier, on va aller voir Scoot de Street. Et je suis sur la miniature. Vous me voyez là, derrière le petit tremplin. Donc déjà, Scoot de Street, c'est validé. Et ça, c'est cool. Ensuite, on va aller voir Mastu. Mastu, c'était celle-ci. Malheureusement, je suis pas sur la miniature. On va aller voir Amixem. Amixem, les gars, sans surprise, j'y suis pas en train de courir. Je suis pas là, je suis pas présent. Et c'est dommage. Ça aurait été super drôle. Et Sora, c'était celle-ci. Qui sont les imposteurs? Et vous me voyez juste là, à droite de la photo. Il a joué le jeu, c'est trop stylé. En vrai, j'aurais tellement aimé le faire avec plus de youtubeurs. Ensuite, on a Tristan, pareil, que je connais bien. Les gars, j'arrive pas à voir si c'est moi ou pas. Et non, ce n'est pas moi. Et vous allez comprendre le problème de ce concept, en fait. C'est que Tristan, je lui ai envoyé et il m'a dit, fais-le avec une mini en bonne qualité et exporte en très bonne qualité.
qualité et je fais ça. Du coup, il m'avait envoyé la vraie miniature de son Media Maker qu'il lui avait fait parce que vous allez voir comme une autre personne aussi qui s'est plaint un peu que la miniature n'était pas en super bonne qualité et du coup, à cause de ce problème, ils l'ont pas mise. Normal, ils vont pas mettre une miniature de mauvaise qualité. Donc j'avoue que ça, c'est le petit problème de ce concept parce que justement, les gars, et là vous allez être déçus et moi le premier, Michou, je ne suis pas sur la miniature. Le bébé n'est pas sur la miniature. J'ai trop le seum parce que j'aurais adoré, c'était super drôle. Le problème, c'est que pareil, du coup, je l'avais envoyé à Mich, il m'avait dit « Yo frérot, t'es fou, envoie en bonne qualité, je mets, là la qualité est pas fou. » Je lui ai renvoyé en meilleure qualité, mais je sais même pas si c'était une meilleure qualité ou pas, j'ai fait le mieux que je pouvais faire. Donc je pense que soit il a pas kiffé la qualité, mais il a pas vu mon message, donc je pense à mon avis juste qu'il l'a pas vu et que j'ai voulu faire ça trop rapidement. Dans le cas, la miniature, je ne suis pas là. Et là vous me dites « Bon, c'est pas grave, il a juste pas vu ton message ou il a pas voulu, c'est normal. » Il m'avait dit « Vas-y, je la change, c'est marrant. » Il a oublié. Je pense qu'il a totalement oublié de la changer. Il s'est dit « Vas-y, je le fais, il a fait autre chose et il a oublié. » Dans le cas, c'est mort. Et la miniature que vous attendez tous, et là vous allez être surpris. Là vous vous dites, bon Anthony, on sait tous que ta miniature de base que t'as sur ta propre vidéo, celle que t'as changée de Squeezie, elle y est pas, Squeezie n'a jamais vu ton message et il l'a jamais changé. Et je ne suis bien évidemment pas sur la miniature, les gars. Encore une fois, j'ai voulu tenter l'impossible. Je me suis dit, on sait jamais. Il tombe sur mon message, il se dit, c'est drôle, je la mets, let's go. Mais non, c'est ciao. En tout cas, j'ai adoré. C'était cool de faire des petits montages photos comme ça. Par contre, attendez, peut-être que Michou et Joyka, vu qu'ils m'avaient dit oui, et même Tristan, peut-être qu'ils vont la mettre par la suite. Donc n'hésitez pas, après cette vidéo, dès maintenant, à aller vérifier pour voir si j'y suis. Dites-moi si vous avez kiffé le concept, et surtout si vous voulez voir un épisode 2, et surtout avec quel youtubeur je vais le faire. Et oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les frérots, on est bientôt aux 300 000 abonnés. Bisous!